connaissance avec M. Mitchell alors que Vilmas était déjà décédé. Donc il m'avait invité, on a participé à un colloque, je suis revenu, etc. J'ai noué un lien personnel assez fort avec lui. Et ensuite, je l'ai perdu de vue parce que je ne suis pas revenu à Istanbul. Il a été malade, il s'est remis. J'ai appris avec beaucoup de tristesse que, après avoir été guéri d'une première maladie, il a eu cet accident-là. C'était un homme exceptionnellement généreux. Enfin, j'ai beaucoup connu une personne. J'ai d'ailleurs investi un peu de ma petite affection pour son élève, le Ménette. Mais bon, on n'a pas les mêmes relations, parce que bon, c'est une femme, elle est jeune, etc. Mais aussi pour moi, était une femme de l'attachement. Il est un homme particulier. Il est épuisable, enfin, une connaissance de la culture française, de la culture turque. Pour la question relevant enfin, sur les sémantiques structurales et les relations de Vilmas avec la sémantique littéraire, je pense qu'il faut resituer ce que Vilmas voulait faire dans la sémantique structurale. Bonjour. Je voulais fonder les bases d'une sémantique vraiment générale, rendre compte des conditions dans lesquelles on peut saisir le sens de sorte de situation sémantique, y compris la littérature. Et pas seulement, parce que dans la sémantique culturelle, il y a des exemples qui sont empruntés à la psychothérapie. Je pense qu'il a utilisé la thèse de Jean-Michel, surtout pour, comme il l'a fait avec les travaux de Strauss, pour montrer comment la sémantique pousser conceptuellement le travail de l'analyse des spécialistes dans le domaine. Donc il a fait ce travail dans le sens à propos de Lévi-Strauss, et il a repris les travaux de Lévi-Strauss pour montrer comment la sémiotique pouvait pousser conceptuellement et dans l'expression plus formelle des relations multiples. Et bien je pense que c'est le travail qu'il a fait aussi à propos de l'étude littéraire de Tétinouche, qui ne se présentait pas de manière uniquement sémitique, c'était une analyse littéraire intelligente et empruntant à diverses méthodes. Et Vilmas, ça a voulu faire ce travail d'extraction des structures sémitiques. Ensuite, Vilmas a souhaité élargir le champ des analyses et des applications. Il a travaillé avec Lambrouski sur le discours en sciences sociales, il a beaucoup travaillé sur le discours des sciences humaines, de ses méthodes, sur ses anthropologues, etc. Et son intention était de montrer que le point de départ, à savoir le texte littéraire folklorique et le texte littéraire artistique, n'étaient pas les seuls objets sur lesquels les élites pouvaient se développer. Je crois que c'était indispensable pour lui parce que la première génération de ses collaborateurs était très diverse. Il y avait des littéraires, comme Denis Lafranc, et même moi à l'époque où j'étais plutôt littéraire, apprentissage de la sémantique. Et il y avait des architectes, il y avait des sociologues, des philosophes, etc. Et il fallait en quelque sorte profiter de cette opportunité pour montrer tout de suite pour lui que l'analyse du texte littéraire était un domaine principal de l'analyse sémantique, mais pas le seul. Il fallait aussi, je pense, pour lui se démarquer un peu de Roland Barthes, puisqu'ils étaient très amis, mais du point de vue intellectuel, quand même en concurrence. Une certaine compétition. Et Roland Barthes était offensivement littéraire. On a parlé bien sûr de publicité, on a parlé de plein de choses dans la mythologie, mais il a reconnu son travail de texte littéraire pour devenir lui-même écrivain. Alors que Vilmas a attendu la fin de sa carrière pour prendre un peu ce
pense que c'est bien situé le rapport avec Nietzsche, c'est un rapport l'œuvre de Nietzsche, c'est un rapport fondamental, c'est l'origine, c'est le point de départ de la sémantique et de la sémantique structurelle, mais ensuite il va être resitué dans un ensemble de la scolastique. Thank you.